C'est trop fort. J'ai pris un talent qui fait qu'à chaque fois que j'utilise ma potion, je suis obligé de donner un cadeau. Et là, ben, c'est un paquet de flèches. Ça peut être super pratique pour vous, si vous manquez de flèches. Arbalète à dispersion, puissance 7. Ah, pas mal. Le talent barrière de potion, je lis. Quand vous utilisez une potion de soin, vous infligez moins 90% de dégâts pendant une courte période. Mais c'est nul, en fait. C'est pas faux. Ah non, vous infligez, pardon. Ah, bah c'est mieux. Non, je vais plutôt prendre l'autre pour dévier les projectiles. Alors... Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le camp cachées pour le moment, non? Je sais pas du tout, on peut y explorer. Alors, on n'a pas la map sur le camp. Je vois, il y a une maison. Le camp, apparemment, d'après les trailers, ça grandira au fur et à mesure, hein, c'est ça. Il va évoluer peut-être, oui, en fonction de ce qu'on sauve. Dans la maison. Apparemment, il y a quelques secrets dans le camp. Ah, okay. Alors, vous allez me détester. J'apprécie le fait que tu dis juste qu'il y a quelques secrets que tu ne dises pas lesquels. Vas-y, Benoît. J'ai une arbalète à dispersion qui explose. Fais un test pour voir. Alors, attends, je lis. Alors, tire avec détonateur. Certains projectiles contiennent une charge explosive avec détonateur qui explose une seconde après impact et inflige 100% de dégâts aux créatures à proximité. Tire plusieurs flèches. D'accord. Oh là. J'ai une question, Eric. Oui. Y'a qui pont. Vu que ton loup a de la vie, il attaque? Je pense qu'il attaque. Attends, faut que je regarde mon item comme il faut. Il dit, invoque un loup qui vous aide au combat. Ouais, bon, ok, c'est clair au moins. C'est cool ça. T'es jaloux. Alors, je pense qu'on peut lancer la prochaine mission. Là. Ouais. Alors du coup, soit on fait les marais, soit on fait la crypte. Les marais? Comme vous voulez. Marais boueux ou crypte effrayante? On va pour les marais. Moi, si on fait un vote, je dis qu'il bluffe. Hein. Va pour les marais, mais c'est pas moi qui lis le texte de l'histoire. Allez. Ça va. Il est petit. Vous voulez que je le fasse? Vas-y. On a dit les marais, hein? Ouais, marais bourbeux. Allez, histoire. Une potion périlleuse. Les sorcières des marais bourbeux ont pollué la terre avec leur concoction néfaste. Nous ne pouvons pas laisser leur potion tomber entre les mains de l'archilageois, qui s'en servira pour ses plans funestes. C'était bien, hein? Et nous pouvons commencer. J'ai une question. La difficulté, elle va bouger vraiment comme elle veut? Genre là, par défaut, elle se met au niveau 2. Moi, elle est level 4. Moi, puissance d'équipe, il faut puissance 5. Ah oui, d'accord. En fait, oui, bon. Si tu le mets sur le premier, oui. Mais par défaut, ça s'adapte, en fait. Ok. Donc là, c'est niveau à notre niveau, donc niveau 4. Ah, information sympa sur le chat. Qu'on nous donne en game, il y a des coffres cachés et qui apparaissent seulement quand on s'en rapproche. Ah d'accord, donc faut vraiment explorer tous les petits recoins. Très accueillant ce marais. C'est l'archi la joie et son immense armée. Si vous n'affrontez pas ces sorcières, les îlageois seront invincibles. Mais restez sur vos gardes. Je suis là. Le marais regorge d'horribles surprises. Je regarde la vidéo. Ah. J'ai pas vu la vidéo, moi. Ah, par contre, dans la cinématique, on voit ton poulet, Jack. Ouais. Ouais, quand on revient après. Oui. Quand tu arrives au spawn. Ah, alors du coup, c'est parti. Ok. Ça va devenir de plus en plus compliqué aussi. D'accord, Tom. Bah, tant mieux. J'aime bien la difficulté. Il m'a fait tellement peur, il court très vite, lui. Ah, ouais. Bah, sur des splinters. Dans Minecraft normal. Ah, je remets la map en... Ouais. Vous me dites si vous avez plus de flèches, quoi que ce soit, je peux essayer d'en faire popper. Enfin, je sais pas si ça donne que des flèches, cela dit. Une pomme. Vous avez pas encore vu la version apocalyptique? Non, bah du coup, non. On commence à peine, on découvre le jeu, donc... Oui, c'est vrai qu'on l'a pas vu. Mais si tu dis que c'est compliqué, ça va être rigolo. Alors du coup, ton loup, il attaque ou pas? Oui, il a même perdu de la vie, le pauvre, donc je vais le soigner. Oh tiens, il y a une... Ah non, ça a pas fonctionné, fuck. Ah, ça fonctionnait.
potion. Je peux pas prendre cette potion, donc voilà. Non, allez-y, je vous les laisse. Hein. Potion d'ombre. Oula, il est ça. Fait comme si j'étais support. Alors, ouais, si jamais vous voulez voir les effets des potions, faut maintenir votre. Enfin, vous laissez votre souris dessus. Ok. Et vous verrez ce que ça donne. Vlad. Ah, on peut. C'est ma pioche, on dirait que je donne des coups de boule à la Zidane, quoi. Ah, tu tapes avec une pioche? Ouais. Moi, j'ai. Parce que j'ai le forgeron, il m'a donné ça. D'accord. Et ma hache. Mais regardez la taille de mes flèches. Mais oui, j'ai vu ça, qu'il y avait des énormes mon arc. En gros, plus je le charge, plus la flèche elle devient grosse. C'est rigolo. Et y a tout le fait avec Ralga. La flèche, c'est une perche à micro, quoi. Ah, par contre, il y a un petit... il y a une potion en haut à droite. Il y a qui plus loin? Pardon? Sur la minimap, il y a un objectif en haut à droite. En fait, faut détruire les potions. Ouais, faut détruire les tonneaux de potions pour qu'on puisse avancer. J'arrive, excusez-moi, j'étais dans mon inventaire. Il faut cliquer dessus, Ralga. J'ai tenté. Ouais. Oh! Oula, 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 oula. Je suis tombé. J'ai tombé. Le seul imbécile qui reste dans la nuée, c'est moi. Bah, idem. Je vais mourir. Je vais mourir, tant que ça. Jack et moi, on est mal. Ah bon? Pas... Bah, il faut attendre qu'on régène en fait. Je comprends pas comment on peut monter. Mais si on utilise une potion à côté des autres, ça n'a pas un effet. Je crois que c'est selon la tenue que tu as. Ah, je suis décédé. Alors voilà. Un ami est tombé. Là, comment on fait? Il faut cliquer dessus. Alors par contre, on a 30 secondes. Sinon, on perd des dégâts au fur et à mesure, je crois. Oh. Je l'ai relevé. J'ai pas réussi à le faire. J'ai pas compris comment on fait. Parce que il est au-dessus en fait. Ah. Ouais. En fait, faut que tu cliques dessus. Et si dans les 30 secondes, on le tue pas, enfin, on le relève pas, on prend des dégâts toutes les secondes. Ah, je change d'arme. Ah, il reste encore une potion. Elle est en arrière. Attendez. Vas-y. Alors les decks c'est bien, ça tape vite mais... Voilà. Alors si jamais vous pouvez nous rejoindre avec les bots. Ah, je vais me revenir en arrière moi, hein. Voilà. Attention creeper. Ah oui bah là c'est parfait. Par contre il y a un zombie en bas. Il est bloqué. Aïe aïe aïe. Oh, petit slime. J'ai trouvé la potion. Ah, ouais. Vous aussi. C'est bon du coup... Ouais. Bah, apparemment, oui. Il y a un petit pot ici. Alors, c'est quoi? Un pot. Ah, bah, je l'ai là. Voilà, ta dispersion. Oula, j'ai des dagues qui sont 13 de puissance. C'est fort ça. J'avais des dagues à 4 et maintenant ils sont à 13. Vache. Une chose. Attends, mais faut aller par où là? Par là? Ah oui. Ouais, on va se poser. Ouais. Alors, hop, j'arrive. Je me TP. Ah oui, le tir flamboyant, on l'a senti passer. Ouais. C'est cool. Ouais. Ah. Je suis en forme d'ombre, je sais pas ce que c'est. J'ai vu un espèce de truc qui volait, mais ça a disparu. Je sais pas si c'était un bug ou pas, mais. Alors... Bon, bug dans la maison. En fait, on a pas regardé, il y a 4 coffres et il y a pas de secret. Comment tu le vois ça? T'appuies sur ah oui, M. Tu as la map complète. Oui, oui. On a 4 coffres. Je suis un peu bébête, moi. Oula, oula, oula. Un boss. C'est quoi ça? Where is the boss? L'Enderman. Oh, c'est l'Enderman. Y'a. Un cochon avec un coffre! Attention TNT Jake, Yaki. Oh, on l'a coincé dans le fou. Ouais. Yo. Meurs. Waouh. D'accord. On lui a éclaté la tête. Changer mon arc. C'était. Ah bah j'ai un arc légendaire je crois. Arc unique. Dégâts 24. Robe d'évocation. Oh. Oh attends.
Alors moi mon arc, des animaux attaquent les créatures que je tape, et l'arc préféré des grands chasseurs de la surface. Oula, oula. D'accord. Alors ça, l'hallebarde, ça me passe. J'aime trop les hallebardes, c'est trop cool. Ma roulade inflige 18 dégâts aux 3 ennemis à proximité. Ah ouais? Y'a un coffre. Du coup. Merde. J'ai pas voulu prendre la potion, désolé. Bah c'est pas grave. Je viens de changer mon arc, je le rechange déjà quoi. Ah je peux pas, j'ai pas de... Rapidité, y'a. Ah t'as dit que si on recycle certaines armes avec des points de talent, on récupère les points de talent, c'est ça? Oui oui, tu récupères tes points de talent. Ah bah dessus. Alors pour le moment j'en ai récupéré que un. Mais j'ai plein de jade, d'émeraude. Hein. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je pense que c'est une bonne chose. Je me bats à la hallebarde maintenant. La hallebarde elle est fun. Hein. Oh là là, c'était quoi ça? C'était moi, je crois. Pardon? Ça m'a fait peur. Il est en haut à gauche. Ah bah je suis tombé dans l'eau. Ah, il y a un coffre. Oui, ça... Je veux dire, il y en a un là-bas aussi, mais c'est celui qu'on a ouvert, je suis bête. Hein. Je t'ai vu faire pareil. Oui. Allez. Alors si jamais utilisez vos bottes, hein, si jamais ça nous fallait plus un petit peu. Attends, est-ce que c'est parce que j'ai une harpe à bar... une harpe balette qui tire 5 flèches qui fait que je tire 5 fusées? Peut-être, sûrement, ouais. Attends, je vais retester. Si c'est ça, c'est un peu... Dans un espace ouvert. Enfin, dès qu'on verra... Comment on monte? Ah. Attendez, on s'attend, on s'est éloigné là. Ouais. Non, on aurait Alga, pu, tu peux te téléporter. J'aurais pu me si téléporter, jamais. Oui, je suis con. Je sais pas faire. C'est en cours, c'est en cours. Moi j'adore, c'est l'animation du saut. Fuis. Ah, Ralga est passé magicien. Pas du tout, je suis en hallebarde de mes deux mêlées là. Ouh. Ouais, non, c'est ça, ouais. Par contre, tu nous fais des dégâts aussi, je crois, Yaki. Ouais, et je suis presque mort. Je suis content. Du coup, on va éviter. Ouais, je vais éviter de le mais faire. Sinon, je pense qu'en teamfight, ça va être compliqué. Je vais tous vous tuer. Je vais tous vous tuer. Ah, attendez, il y a un pot en bas. Il y a un pot, ouais. Moi je crois que mon arc il fait quoi? Alors tir flamboyant a une chance de 20% de créer une zone circulaire qui soigne tout le monde qui s'y trouve. Ah non, on aurait dit qu'il y avait un truc là-bas, ouais. Mais je sais pas quoi. Attends, là on est à 2 coffres sur 4. Il n'y a pas de secret, hein, c'est ça? Non, il n'y a pas de secret, ouais. Ok. C'est quoi cette icône? C'est mon arc, quand je tire dessus, ça fait que les animaux, apparemment ça fait pop des animaux qui tapent. D'accord. Apparemment, c'est ce que dit mon arc. Oula. Alga. Pardon? Tu t'en sors? Ah bah je suis là moi. Oui oui, non mais c'est pour savoir, vu qu'on t'entend pas trop. Ah non, c'est chiant, je suis avec vous. Alors n'oublions pas, nous avons... Oula, il y a un truc là. Attends, attends, on va tuer derrière parce que c'est ah bah non, y'a rien du tout. C'est sa arbalète qui explose, c'est trop cool. Ah, j'ai une sortie qui est là. Bizarre ça quand même. Et dans le fond, y'a quelque chose? Bah, apparemment y'a rien, ce qui est bien dommage. Des gemmes. Ah bah attends, j'arrive. La roulade électrique. Alors, nous sommes... Donc là y'a rien, c'est dommage. On est ressorti de la caverne. Bon, ok. Soit. Ah oui, au même endroit? Ah non, je suis con. Non, 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 on est complètement à l'opposé quand tu regardes la map. Je n'ai plus de flèche par contre. Ah, ouais, attends, mais je vais essayer. Si jamais, tu peux toujours utiliser l'artefact fusée. Tu l'as encore? Oui, je l'ai encore. Tu peux toujours l'utiliser même si t'as plus de flèche. Mais la balette qui explose, c'est trop cool. Ça compte juste le cooldown et tu l'utilises comme tu veux quoi. Ouais, voilà.
Ah, on a pris un niveau. Ouais. Et donc un nouveau point. Ça ne compte quand même, Copou, là. Par contre, je sais pas si ton loup il reste ou pas. Ou si c'est juste une invoque. Il est déjà mort une fois. Il est déjà mort une fois, le loup. Ah ouais. Non, ah. Il est trop fort, mon loup. Il est mort pendant le combat contre l'Enderman. Il était contre un mob à l'opposé. Oui, bon, certes. petit camp. Plein de pain. Alors, pourquoi il y a une grosse zone en face de nous? On arrive à un boss, non? Ah, il y a un coffre. Je crois, ouais. De toute façon, je pense qu'à la fin de la zone, il doit y avoir toujours un boss. Il y a des flèches par là, Ralga. Par là. Là, à côté de moi. Il y a Tom. Ah, ok, cool. Ah, Tom, le coffre. Là, il aimerait beaucoup jouer, mais pour l'instant, il peut pas, donc il regarde les streams. Moi, c'est ah, merde. Pas, Tom. Alors que moi, ouais, là j'ai looté le... Attends, oh, légendaire, harpalette, harpe-balette. Oui, je l'ai, c'est ça là. Est-ce que tout le monde a eu l'artefact moissonneur ou pas? Je l'ai eu, moi. Non. Non. Ah, alors ça fait quoi? Alors, lorsqu'il est utilisé, le moissonneur déploie des âmes dans une explosion. Rassemblement d'âmes nécessite des âmes. Siphonne les âmes des morts avant de les libérer dans une puissante explosion. Ah, intéressant. Jack, il les a tous tués. Mais quoi? Il a tué tous les messieurs. Fallait qu'on le garde. Ah! Mais j'avais de la TNT. Où est-ce que ça garde? Oula! Il y a du alors, monde. Il peut pas parce qu'il a déjà acheté un jeu il y a plein de temps. Ah oui, bah oui. Des choses qui arrivent. Après, franchement, pour un jeu neuf, je m'attendais à plus cher concernant Minecraft. Puis en plus, en vrai, on va dire par rapport au Minecraft de base. Ah, il y a un coffre. Il est joli le jeu. Ouais. Ça, par contre, franchement, ouais. Il est rapide, même d'habitude, enfin Minecraft de base, il faut mettre des shaders et tout, des packs, etc. Il y a un truc en bas là, non? Je crois. Attendez, je vous rejoins, j'étais en train de changer mon équipement. Ah, oui, d'accord. Pouh. C'était quoi ce bruit? C'était mon moissonneur d'âme. J'ai mis ce clic. Okay. Oui, mais il a bien moissonné les âmes, hein, on l'a entendu. Je sais pas par où on va, mais on y va. Oh 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 oh, oh là. C'est quoi oh là. Ce bruit? J'ai l'archi la joie. Ah ah bah. Combat boss. Contre le boss. Ok. Oh là, il y a du monde. On va tous attaquer à l'arc. Putain, il y a un sacré bord de vue le machin. Alors, il y a des machines. Alors, il est tombé. Ouais, parce qu'en fait, j'ai tenté le corps à corps parce que c'est que je fais le plus de mal au corps à corps, mais c'est pas une bonne idée. Ouf. Je pense qu'on va peut-être pas rester au corps à corps, ouais. Ça a l'air compliqué. En plus, il se régène, je crois. Ouais, il essaye de parler en buvant de l'eau, mais il y arrive pas, je crois. C'est bon, avec Aragon, on fait de la musique pour combattre. Pendant que d'autres dansent. Non, je suis mort. On arrive. J'ai testé le corps à corps aussi. Mais faut pas, il l'a dit. Mais voilà, ouais, on en a aussi, je suis plus. Couvrez-moi s'il vous plaît. Ah, vite, vite, vite. Ah là là, j'ai mal joué là. J'y arrive pas. Je vais mourir aussi. Ah, c'est pas grave. Vous avez 22 secondes, vous pouvez tuer le boss avant. Tuer le boss avant. Ah, ok, et nice. Voilà. Attention! Il y a des petits zombies. Merci! On reste, ok. C'est chaud. Hein. Alors, ah ouais, c'était pas évident. Une... Hein. Oula, j'ai chopé une hallebarde venimeuse. Encore un objet unique. Il était pas évident ce boss. Dague lunaire. La vérité, frère. Pardon. J'arrête. Vaincre, je vous soigne en raison du pivot. Ah, une arbalète aussi. Ah bah, du coup, on peut continuer, je pense. J'en vois des plus, c'est la fin. Alors, par contre, on a tous les. Ah bah, on a tous les coffres. On attend, Ralga il est en train de refaire son stuff. Ouais. Alors c'est chiant, tu le refais tout le temps en fait. C'est vrai que. Là on le refait tout le temps. Je pense que faut le refaire après. On va choper encore des items avec le coffre de fin.
j'envoie des bus quoi. Oh putain, c'est quoi ça? Non, mais quand même, je veux dire, ça fait quand même le deuxième level, on a déjà quand même. Enfin, je crois que Ralga et moi, on a déjà deux items uniques quoi. Oui. Toujours grosse déplace. Attention, est-ce que ça va planter? Ouais. Ça va bugger, ça va pas bugger. Attention, what is the question? Pour le moment, ah, ça va. Ça a pas l'air de bugger. Bravo! Jacques a utilisé une potion de force. Alors, Draken, il a tué beaucoup trop d'ennemis. Oh, le totem! Et Ragaï, il a utilisé plein d'objets. Ça, c'est utile. Au début, ce sera comme ça, mais après, tu auras des items abusés et tu changeras que pour changer de style de jeu. D'accord. Je viens d'avoir moissonneur, tiens. J'ai eu le moissonneur aussi. Je vais le changer parfois. Moi, j'ai eu le totem de régénération. Ah! Ouais. L'armure du loup, level 1. J'ai changé par la canne à pêche. Ouais, la canne à pêche, je l'utilise pas. J'aime pas. Des faucilles. Putain, mais c'est. Putain, mais Hanzo, quoi, arrête là. C'est des putains de bus, quoi. Elles sont énormes. Regardez, yo! Oh, trop bien. Vous prenez des dégâts ou pas? Ah non. Non. Peut-être parce qu'on est encore aussi. Sur ma nouvelle armure, oui. J'ai pris l'enchantement explorateur. Chaque centaine de blocs explorés sur la carte permet de récupérer un peu de vie. Oh, ah. Ça peut être bien, en vrai. Ouais. La vérité. La vérité. Je vais voir si je peux racheter autre chose du coup. Alors, la joie. Ah, l'armure du spéléologue, c'est l'armure pas prendre bougie, regardez. Je la mets juste, mais après je la recycle. Vous pas prendre bougie. Qui a une chauve-souris? Alors par contre, faut qu'il arrête de me donner les arbalètes un moment. Parce que bon, j'en suis à ma quatrième là, hein, donc... Tiens, tes alliés, ils en voulaient pas, je te les donne. Cinquième. Ah, oh, c'est une blague? Ah, je viens d'avoir des dagues. Ah ben, je rechange leur mur au final, tiens. Alors, regardez au cas où, on sait jamais, hein, peut-être qu'il y a un autre PNJ qui va venir. Alors, je viens d'avoir ma deuxième harpe balette, qui n'est pas unique du coup, a priori. Pas mal. Alors, on fait quoi comme mission suivante? Du pâté. On a rien qui a pop sur le camp encore? Non, c'est bon. Non. Alors, soit on fait la crypte effrayante, soit en fait on peut faire le champ de citrouille ou le canyon des cactus. Enfin, alors, Tom, ou la mine. Dans le chat que les villageois nous arnaqueront sans problème. Ok. Ah, intéressant. Ah, bah ça, c'est. C'est villageois. Ah oui, on a trois nouveaux niveaux. Ouais, ah oui, n'oubliez pas de mettre vos enchantements. Oui. Okay. Ça y est, moi aussi je suis Hanzo. La taille des flèches, quoi. Mais regarde la taille de ma flèche par rapport à toi.